Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Nous vous saluons parce que le rendez-vous respecté, comme d'habitude, pour analyser les questions d'actualité. Parce que vous savez bien que c'est ici qu'on réfléchit, en tout cas objectivement, c'est ici qu'il faut intervenir si réellement vous aimez votre nation. C'est ici, pas ailleurs. On ne fait jamais éloge des personnalités parce que nous estimons que nous n'avons comme pays que la République démocratique du Congo. Mais j'aime bien l'adage du député national Justin Bitakwira. Une grenouille qui se sépare des autres meurt stérile. Et alors à ce moment-là, je rétorque en même temps le député national. Vous-même, vous n'êtes pas une grenouille qui s'est séparée des autres. Quelle sera votre suite politique alors? Ce n'était que votre adage. On attend également la malédiction promise, la malédiction de votre grand-mère contre l'État, parce que vous aviez dit. Une fois, si vous n'êtes pas dans le comité préparatoire, fort possible que vous disiez un mot à votre grand-mère pour maudire alors le pays. On attend. Bien. Vous êtes encore dans le temps parce qu'on n'a pas encore le comité préparatoire, mais nous estimons que la grand-mère aura changé d'avis quand vous ne serez pas membre ou vous ne serez pas membre du comité préparatoire pour le dialogue. Dialogue qui semble être jusque-là hypothétique. Nous informons en même temps, lorsqu'on a échangé avec un acteur, autre acteur politique, pour la réalisation de cette émission, et il nous dit, votre chaîne est locale, et pourtant à chaque fois nous le recevons ici, à la personne du député national Steve Mbikai. Ça nous a vraiment un peu choqués parce que c'est avec lui de temps en temps, même le grand public qui nous suit, l'identité a été à un certain moment, en tout cas, reconnue comme telle. Mais avec toute curiosité, aujourd'hui, on appelle Steve Mbikai et nous dit, CCTV, c'est une chaîne locale. Ainsi, le comportement des hommes politiques. Est-ce qu'un jour, on va changer? Et c'est comme ça que nous nous déplorons également de la classe politique et sociale. C'est de là qu'est née d'ailleurs l'idée de la nouvelle classe politique et sociale, à travers ce plateau. C'est déplorable. À un certain moment, nous devons nous regarder. Alors, vous êtes de l'opposition. Quel espace a l'opposition aujourd'hui pour que les chaînes de l'opposition soient câblées? Ou alors, vous n'êtes pas de l'opposition, ou vous êtes de l'opposition. Mais si vous êtes de l'opposition, je pense que vous ne pouvez pas voir les choses de cette façon-là. Vous connaissez comment les choses se font chez nous. Alors, c'est déplorable. Qu'est-ce que nous devons faire à ce stade des temps? Comment nous devons faire pour que nous soyons câblés? Et c'est simplement maintenant qu'il faut reconnaître le CCTV comme une chaîne locale. Déplorable. Voilà. Nous allons échanger ce soir sur quelques points estimés à notre niveau importants. Le premier, c'est en rapport avec la problématique du dialogue. Vous savez, les opposants étaient la fois passée en conclave, en Belgique, à Bruxelles très précisément. Alors, ils ont échangé. Vous aviez suivi les résolutions. Et nous avons suivi également le point de vue du facilitateur Dem Kodjo ici. Alors après, il pense rencontrer Étienne Tshisekedi. Et on va suivre la suite. Et en même temps, nous devons signaler qu'on a accepté coller à Dem Kodjo un panel d'experts. Il y aura probablement Maman, également Djenit, qui pourront l'appuyer pour que le dialogue soit correctement organisé. Mais le débat est toujours là. Quel dialogue? De la main tendue ou le dialogue voulu par l'accord cadre et les différentes résolutions. Élections en décembre et en respectant la Constitution, ces élections doivent être organisées selon les États-Unis. Une fois la non-organisation de ces élections, il y aura des sanctions contre les personnalités du régime actuel. Quel type de sanctions et quel type d'élections nous devons espérer à ce stade des temps? Et voilà, nous allons analyser avec votre invité. La question du social sera abordée parce que vous savez, aujourd'hui, il y a augmentation des unités pour l'Internet et également pour les appels. Ça devient difficile de pouvoir alors entrer à l'Internet pendant quelques temps. Et vous aviez suivi la position de l'UNPC qui envisage le lundi journée sans presse. Et nous l'appuyons. Nous allons voir comment cette journée va passer. Et l'UNPC appelle également aux journalistes qui doivent maintenant propager l'information telle que l'on l'indique, qu'on n'achète pas les unités, une manière de faire pression, n'est-ce pas, à ces opérateurs et également au gouvernement. Et voilà, ça c'est une information avec votre invité, nous allons analyser.
Le dollar aujourd'hui, un dollar vaut 1000 francs congolais. Quel est social encore le Premier ministre? Et voilà, c'est ainsi le social en République démocratique du Congo. Et tout ça sera alors évoqué et analysé avec votre invité sur ce plateau. Nous recevons ce soir Gabriel Mokia, président national du MDECO, membre de la Dynamique. Et voilà, c'est avec lui ce soir que nous allons une fois de plus analyser ces questions. Nous devons vous signaler qu'il n'a pas hésité à notre appel. Aussitôt que nous l'avons appelé, il a répondu précipitamment. En tout cas, c'est une marque pour nous. En tout cas, ça nous a impressionnés et c'est de bonne foi que nous devons témoigner cela à l'opinion publique. Bonsoir, Gabriel Mokia. Bonsoir, monsieur le juge. Voilà, le pays va mal, hein, avec tout ce que nous avons comme problème. Surtout le comportement également de l'homme politique, ça n'inspire pas confiance. Bon, l'homme politique n'a pas tellement de problèmes, c'est le comportement du gouvernement qui n'inspire pas confiance à toute une nation qui ne voit pas clair dans la gestion de ce gouvernement. Et l'homme politique, lui, il fait qu'accompagner les actes du gouvernement, mais dénonce ce qui n'est pas bon. Comme cela est stipulé dans l'article 8 de la loi portant statut de l'opposition. Voilà là où ça joue les matchs. Nous jouons que sur base de la Constitution ou des compléments de la Constitution. Mais les gestionnaires qui ont reçu mandat auprès de notre peuple, qui s'affichent de tout, ils trouvent que l'homme politique, il peut parler, bon, les chiens aboient, leur caravane passe. Les peuples étaient créés comme beau du sable, les chiens aboient, la caravane passe. Et ils sont dans l'opilas et les peuples dans les noirs, dans la misère. Voilà là où nous sommes. Est-ce que vous ne voyez pas que l'opposition, c'est pire? Je prends ici les acteurs politiques de l'opposition. Comparativement à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, bien qu'ils sont mauvais, s'il fallait changer de position, vous ne voyez pas que si on avait l'opposition actuelle au pouvoir, et les choses ne marcheraient pas correctement, tout ce serait alors pire. Tout dépend. Parce qu'un comportement qui ne laisse pas... Tout dépend de qui il sera au pouvoir. Si un homme comme moi, je suis au pouvoir, j'aime être un homme logique. J'ai mes défauts, comme tout être humain. Mais en ce qui concerne la gestion des affaires de l'État, là, je serai un autre moquin. Parce que les affaires de l'État, ce n'est pas une affaire d'un individu. Ce sont des affaires de toute une nation. Nous devons tous puiser là-bas. Nous devons tous protéger là-bas. Nous devons tous respecter là-bas. Parce que ce sont des affaires de l'État. Comme on dit, les hommes passent, les institutions demeurent. Nous allons passer, mais l'État reste toujours l'État. Il y a des gens qui disent, vous n'êtes bon que lorsque vous êtes à l'opposition. Quand vous commencez à bouger un peu, vous changez le comportement, vous devenez un peu orgueilleux, un peu différent, contraire à votre ancien comportement. Est-ce que c'est ça, l'attente ouais. De demain? Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Parce que même aujourd'hui, quand vous regardez la plupart des ministres de Kabila, quand ils n'étaient pas aux affaires, ils étaient d'autres personnes. Maintenant qu'ils sont dans ce système, je ne sais pas si le système de ce pouvoir est orgueil, non tenu d'une promesse, le respect des peuples. Quand un ministre t'invite à 10h, il va te recevoir à 15h. Je préfère les ministres de Mobutu que les ministres de Kabila parce qu'ils n'ont pas la notion d'air. Mais nous étions des hommes d'affaires. Moi, quand ils m'invitent à 12h, 12h moins 5, je suis déjà là pour que je me fasse annoncer. Mais aujourd'hui, les ministres de Kabila n'ont pas d'agenda. Essentiellement, c'est la classe politique qui... Non, ce n'est pas tellement la classe politique. J'ai dit à chaque individu son comportement. Parce que moi, je t'invite à midi et tu es là à midi, je préfère sortir, aller voir soit le premier ministre ou qui... Tu peux l'attendre jusqu'à l'exception. Même quand je viens, je choisis, je ne sais pas qui, mes collègues, mais j'oublie la dignité d'un homme politique comme moi, tu m'invites chez toi et tu commences. Bon, oui, mais je peux au moins jeter un peu les éloges d'un ministre, d'un ancien ministre ou PDG de Mobutu, comme le Tambou Mwamba. Oui, là, je ne le vante pas. Mais quelqu'un, il t'invite à 11h, tu es là, à 11h, tu es là. Le ministre de la Justice, lui, te reçoit. Ah. Tu n'as même pas une minute à perdre. Monsieur En tout cas, ça, je l'ai vu, je dis Alexis Tambwe Mwamba, ah ouais. Là, nous vous encourageons, si c'est ça, le comportement. Alors, qu'est-ce qui arrive que, quand vous n'êtes pas au pouvoir, vous avez une certaine relation, mais une fois, quand vous commencez à bouger,
Vous oubliez les anciennes relations, vous devenez tout autre. Bon, tout dépend aussi. Hein. Mm. Tout dépend aussi. Parce que... Comme vous êtes à l'opposition maintenant, tout en étant... avec Pascal, demain au pouvoir. Moi, qui est Pascal et maintenant il... Non, admettons, on avait des relations qui pouvaient cesser les femmes. Mm. On avait des relations qui pouvaient aller faire quelques affaires. Pour tout ça. Mais moi, maintenant, quand je suis ministre, j'ai un agenda gouvernemental. N'est-ce pas? Je ne peux pas appeler un de mes collègues, mes amis, il y vient pour qu'on puisse raconter ce qu'on faisait avant. Mmh. Non, parce que là, mon temps est précieux. Bon, il n'est pas dit aussi que, puisque je suis comme ça, je ne peux pas, si ce sont des amis pour causer, je vais disposer par semaine, un jour, chez moi, j'invite les amis. Non, les collaborateurs qui vous appuient dans votre... Ce n'est pas en termes de camaraderie. Collaborateurs qui vous appuient dans ce que vous faites comme lutte politique, tout ça. Mais demain, quand vous faites un pas vers le pouvoir, vous les tournez les dos. Non, le soir, pourquoi nous avons des bureaux privés? Le soir, on peut sortir 22h, 21h au bureau pour recevoir les collaborateurs et tout ce qu'il faut parler avec. Et le téléphone... Parce qu'un bureau de l'État, ce n'est pas un bureau de ministre. Ce n'est pas un bureau de politique. Là, on doit servir l'État. Mais nos affaires, hein, des collaborateurs, des amis, on doit trouver un moment. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est le contraire. On n'a même pas des endroits privés pour recevoir les amis. Là, on devient ministre et on oublie. Voilà. Et généralement, avec les opposants, la première chaîne qu'ils prennent distance, c'est CCTV. En tout cas, ce n'est pas toujours bon. Alors, abordons... Non, il faut pardonner. Oui. Les erreurs ne manquent pas dans la vie. Oui. Hein, il faut des fois éviter. Quelqu'un s'est réveillé très mal. Mm. Vous posez une question, il peut te répondre. Mais après, on peut toujours revenir. Vous allez toujours faire des émissions. D'accord. C'est rien. Abordons la question. La première question, c'est en rapport avec le dialogue. Gabriel Monkia, président national du MDECO, membre de la Dynamique, conclave organisé à Bruxelles. Vous n'êtes pas déplacé. Certainement que vous aviez eu un peu d'empêchement. Au moins, vous aviez l'invitation. Alors, ils se sont rencontrés. Finalement, des résolutions sont sorties de ce conclave. L'une des résolutions, c'est le dialogue, bien, mais dans l'esprit de l'accord cadre. Et non le dialogue de la main tendue, tel qu'initié jusque-là par l'ordonnance du chef de l'État qui souffre d'application jusqu'au jour d'aujourd'hui. On attend cela. On a suivi également Edem Kodjo parler du dialogue en question. Pense, envisage, voire Etienne Tshisekedi, pour qu'ensemble, ils voient comment on peut effectivement convoquer le dialogue à travers, bien entendu, le comité préparatoire ainsi de suite. Gabriel Monkia, acteur politique. Alors, bon. La situation actuelle politique sur le dialogue, comment vous l'avez appelé? Le grand problème qui fâche, c'est le dialogue. Dialogue, pour dialoguer sur quoi et pourquoi? Quand il y a un bateau, le propriétaire du bateau peut toujours changer de capitaine s'il trouve que l'autre capitaine, quand il sort avec le bateau rentre toujours en panne. Il peut toujours essayer un autre capitaine à ses frais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le peuple qui donne un mandat. Si le peuple estime que tu le fais dormir dans les noix, le peuple peut toujours changer quelqu'un d'autre pour exercer le même mandat. Mais si vous voulez vous accrocher avec des dialogues et autres... Là, là, mais on saura la température du peuple... Comment? C'est à travers les élections. Voulez-vous dire quoi? Qu'on fasse quoi pour qu'on ait... Les élections, je crois qu'on a perdu beaucoup de temps pour l'organisation des élections, qui ne venait toujours pas. Alors, le gouvernement congolais fait des gymnastiques pour pouvoir tromper tout un peuple, pour se maintenir par canal 2. N'importe qui qu'on peut mettre... pour se craponner au pouvoir, tu vois, et le président de l'ancien président d'Afrique et tous, ils vont avoir des postes pour commencer à gouverner de la même façon que celui qui était là. Et le peuple ne trouvera pas son compte. Dialogue politique. Le dialogue politique a quelle signification aujourd'hui? Si ce n'est que l'article 220 de la Constitution qui prime, surtout. Mais l'article-là doit primer aujourd'hui pour qu'on respecte les deux mandats. Et alors, respecter les deux mandats, c'est vrai, la fois passée, on est revenu avec vous. Vous pensiez qu'on peut vous donner le temps de gérer la transition. Ne revenons pas sur cet aspect. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu complexe pour qu'on sauve la question de manière objective? D'où il faudrait qu'on se parle et qu'on se regarde, qu'on réfléchisse ce que nous devons faire pour le bon avenir du pays? Qui doivent réfléchir? Mais vous, les acteurs politiques. Nous ne gérons pas le pays.
Chacun doit transporter ses péchés auprès de Dieu. Hein? Mais c'est ça, non? Oui. Vous avez géré. Justifie-toi de ta gestion toi-même. Même si j'avais un enfant, j'avais une femme, mais le jour de ma mort, même si on mourait tous ensemble, vous croyez qu'on va nous juger tous ensemble de la même façon? Chacun verra ses peines et affichées par Dieu lui-même, par ses services. Tu as fait ça, ça, ça. Mais on ne va pas afficher mon problème à moi chez toi. Donc, substantiellement, ce n'est plus important d'avoir le dialogue aujourd'hui. Ce n'est plus important d'avoir le dialogue. Mais là, vous êtes en contradiction avec vos collègues. Je ne suis pas en contradiction. Le format de dialogue qu'on avait voulu nous imposer, c'était le dialogue que Kabila a convoqué. Maintenant, il y a un changement sur notre forme de dialogue, qui sera convoqué toujours par la même personne. Même si vous dites que dialogue est format communauté internationale. C'est toujours Kabila. La communauté internationale n'a pas un but qui peut venir convoquer quelque chose dans un pays indépendant. Voilà. C'est toujours la même personne. Il y aura toujours ce lieutenant là-bas qui doit... D'ailleurs, les concertations qu'on a faites, vous avez vu, le cas de la majorité a amené plus de 700 goulous. Ceux qui avaient des macarons étaient moins que ceux-là qui était venu comme état d'Engourou qu'on amène en Europe. Et même si on convoquait n'importe quel format de dialogue, la majorité va toujours introduire d'Engourou. Et ce sont les Engourous-là qui auront le monopole des paroles pour dribbler tout le monde. Alors à ce moment-là, donc, on n'exige plus le dialogue dans la logique de l'accord cadre et ses différentes résolutions. L'accord cadre. On va revenir, on va faire un cercle vicieux. Un cercle vicieux, parce que les Engourous pèsent beaucoup par rapport aux autres, aux vrais invités du dialogue. Hein? Mais vous avez vu, vous avez suivi le discours de Tshisekedi, un discours qui parlait de dialogue. Mais dans les conclusions, il y a eu des menaces. Il vous dit, parce que c'est la voie pacifique pour faire chasser en douceur le président actuel au pouvoir. Mais le concept de chasser n'a pas été... bien ajusté, il aurait fallu peut-être chercher un autre concept. Mais au moins, il dit en douceur. En douceur, ça veut dire pas de voie démocratique, du en respectant l'esprit de chasser notre quelqu'un par le même dialogue qui sera convoqué par la même personne. Ça, ça serait une contradiction. C'est toujours l'esprit de dialogue qui plane. Format maintenant, ramener la dynamique, parce que jusque-là, la plus grande force du pays, c'est la dynamique de l'opposition. Et maintenant, la plus grande force qui résiste, c'est la dynamique qui est en son sein, les gens comme Gabriel Moké, les anti-dialogues. Dès la naissance du dialogue, ils ont toujours été résistants. Mais maintenant, on a regardé le format, on a commencé à pêcher chacun avec son invitation, y compris moi-même avec mon invitation, suivi des conditions favorable pour aller respecter les termes, l'esprit de la lettre du dialogue en Europe, habillé au conclave. J'ai obtenu les visas, j'ai obtenu tout ce que je pouvais obtenir pour voyager, mais quand j'ai regardé, mes services de l'Europe m'ont fait rapport. J'ai obéi à ces rapports que je ne peux pas aller, parce que je connais ce qui est caché derrière les conclaves. Mais alors, autrement dit, maintenant, vous n'êtes plus en phase avec vos collègues de la dynamique qui ont mais est-ce que les collègues de la dynamique, ils ont dit qu'ils ont accepté, le dialogue dans l'esprit de l'accord cadre et ces différentes institutions. Ils sont arrivés hier soir. On se verra tous ensemble dans une grande réunion de la dynamique le samedi. On va en parler tous. Ceux-là qui ont l'option de dialogue, ils vont aller. Ceux-là qui n'ont pas l'option de dialogue comme nous allons rester. Déjà une division? Non. Il n'y aura pas une division parce que vous allez au dialogue et nous allons rester avec la dynamique et pour faire autre chose. Est-ce que ce n'est pas une bonne occasion, ça n'a pas été une bonne occasion pour l'opposition de trouver enfin une synergie, avoir une voix commune, parler le même langage à travers ce conclave? Je crois que c'est l'un des aspects à féliciter qui a mis tout le monde d'accord. Mais c'est ça aussi, le journaliste, permettez-moi de vous parler et puis à toutes les libertés. Oui. C'est une voie pour qu'on puisse parler le même langage. Quel est le langage qu'on peut parler? Nous avons ici les le modèles. Le respect de la Constitution. Mais
chaque chef de l'État ou ministre ou cantonnier connaît que la Constitution, toute personne qui habite au pays doit respecter la Constitution, n'est-ce pas? Mais parler du respect de la Constitution, c'est quoi? C'est comme les lois. Les attendus des juges sont respectés par les peuples et par les juges eux-mêmes. Mais si aujourd'hui on trouve que on n'est pas à mesure de gouverner, l'essentiel n'est qu'on doit remettre l'établi. Mais, parce que vous dites en français, à l'impossible, nous ne tenons. Mais on ne laisse pas le pouvoir sur un plateau d'or. On ne va pas venir comme ça. Bon, voilà, Gabriel Mokia, nous sommes à la fin parce qu'on n'a pas organisé des élections. Votre pouvoir est là. Non, on ne va pas vous servir sur un plateau d'or. Mais non, Martelly en Haïti, musicien de son état, il a respecté la Constitution. Il dit, bon, impossible d'organiser les élections. Il est allé au Parlement déposer le pouvoir. Chaque peuple a sa culture. Hein? Non, on doit avoir cette culture. Au début, vous aviez dit... Les bonnes choses... Tout opposant n'a pas le même comportement. Mais c'est ça, mais j'ai dit maintenant, les évidences ne se discutent pas. Que ce soit en Haïti, que ce soit ici, nous avons tous ce genre d'évidences. Devant une difficulté, on doit céder. Mais quand on résiste devant une difficulté, c'est-à-dire qu'on a autre chose cachée derrière la tête. Donc pour nous, nous avons étudié, pas pour tromper, on a étudié pour être des modèles. Moi j'ai étudié dans ma vie pour que je sois modèle dans la société. N'est-ce pas? À n'importe quel poste de responsabilité que la société peut me confier, je dois fournir un effort, même à 70%, il faut que je sois modèle. Parce que le jour où je veux quitter, chacun, quand devant une petite vie, moi qui étais ici, il faisait de bonnes choses. Voilà, là, vraiment, ce n'est pas une flatterie et je n'aimerais pas que je puisse mourir pour qu'on parle de moi de bonnes choses. Étant vivant, j'ai terminé mon mandat, je voudrais que les gens parlent de moi, j'écoute. Tel faisait ceci, voilà, tel, voilà. Quand vous êtes un modèle, cela va engendrer, cela va couvrir plutôt votre famille, oui, vos relations, votre honnêteté et tout ça. Donc vous serez un homme heureux quand on respecte quelque chose qui est prévu. Et dans les cas sous examen, c'est le président de la République qui est le promulgataire de la Constitution. Enfin, il n'est pas un modèle, il ne peut pas quand même la violer, c'est impossible. Il s'agit en même temps d'une lutte parce que nous sommes battus pour avoir la démocratie depuis longtemps. Vous savez, ce n'est pas facile aujourd'hui. Nous sommes qu'à la phase du début. Alors maintenant, je disais, ce n'est pas toujours facile qu'on vous livre le pouvoir sur un plateau d'or. Maintenant qu'il y a une synergie qui doit, en principe, se créer du côté de l'opposition. On dit, l'union fait la force. C'est dans cette union-là, c'est dans cette unité-là, que vous devez vous dire, enfin, maintenant, nous pouvons maintenant être forts pour faire pression démocratiquement à ceux qui détiennent encore le pouvoir aujourd'hui pour que finalement la condition soit respectée. De vous savez, point de vue, je pense que c'est à saluer. Personnellement, Gabriel Mokia, ça fait 24 ans, maintenant, d'ici peu, je vais atteindre 25 ans. Depuis que je suis dans l'opposition. Il n'a jamais eu de faute. Les gens ne m'ont jamais condamné dans ce que moi j'ai fait. Les gens me trouvent juste toujours MC correct. Mais que ça ne soit pas une carrière aussi. Ce n'est pas une carrière. Mais parce qu'on a un pouvoir rébelliotique habillé à une fausse démocratie. Maintenant, moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut venir seulement évacuer, à lever comme ça pour aller me déposer quelque part. Non, je ne le fais pas. Vous n'êtes pas un mouton. Je ne suis pas un mouton. C'est pourquoi je vois que parmi tous les opposants, même ceux qui nous ont rejoints, beaucoup sont toujours avec Kabila. Oh, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qui vous... Pas à une... Vous savez... Avancez cet argument. Beaucoup ont pillé quand il fut des ministres ou des tels. Beaucoup ont fait de mauvaises choses que Kabila lui-même connaît, il ne les a pas arrêtées. Lui-même, il sait pourquoi il ne les a pas traduits à justice. N'est-ce pas? Et étant des affaires de la maison, moi, je ne suis pas facile pour suivre ce que vous faites, parce que je ne sais pas. Moi, je peux mettre mon nez dans ce que vous faites, mou, Kabila me récupère. Mais, oui. Attendez, il me récupère, il me gare quelque part pendant autant d'années, comme il a toujours fait.
sur moi. Connaissant cela, j'aime quand vous provoquez quelque chose, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Vous savez, je vous réservez un peu. Me réserver, je vous observe. C'est et c'est qu'après le peuple dit, ah, président, que tu avais raison. Voilà, ces gens-là, ils sont tant. J'ai dit, oh, Dieu merci. C'est pourquoi je suis contre personne. Vous savez, moi, quand on parle de l'union, on fait la force. Mais c'est que moi, je ne vous taxe pas des chauves-souris, hein. Moi tantôt, tu es ou vous êtes avec les autres, avec les amis. Tantôt, vous prenez un peu de distance. On ne comprend pas. Alors, non, je ne suis pas. On ne peut pas me taxer des chauves-souris parce que je connais ce qu'ils font. Je connais ce qu'ils font. Mais un homme averti ne se laisse pas faire de cette façon. Mais pour ne pas vous embrouiller, ou que les peuples disent, ah, ils sont toujours comme ça, c'est pourquoi vous comprenez que des fois je me réserve. C'est l'esprit de réserve. Je me réserve, seulement je vous observe. Si ça capote, bon, je suis toujours avec vous. Je ne suis pas là pour diviser les gens. Vous ne me verrez jamais venir chez un tel. Je vais ce Kabila raconter. Non. S'il m'arrivait un jour que j'avais fréquenté le président de la République, lui-même, il allait s'étonner de mon comportement vis-à-vis de lui. Je vais lui parler que les affaires du pays. Et non, mais il a fait ceci, un tel Owanze a fait ceci. Je ne viendrai jamais avec le nom des gens. Mais alors maintenant. Je voudrais que toi-même, avec tes services, tu puisses constater. Mais moi, j'aime préserver les relations avec tout le monde, mais sauf si je constate les imperfections, là je m'ajoute vite devant vous, pas devant quelqu'un d'autre. Je pense que ça devient irréversible maintenant le dialogue, parce que le facilitateur a des appuis aujourd'hui. Il y aura Maman, il y aura Djenit qui vont l'appuyer, et lui-même dit, Edem Kodjo, je crois dans les jours qui viennent, il va rencontrer le leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, pour qu'enfin on voit comment déjà convoqué, parce que le dialogue a été déjà convoqué, penser à l'organisation effective du dialogue. Et là, non. C'est déjà parti, et Daniel. Mais quand on peut j'ai faire posé, le combat de maintenant. On était avec Maman et un jour, j'ai posé la question. Le dialogue est là en quel sens? Là, il n'était pas encore désigné comme vous êtes à te dire. Oui. Mais sa réponse, il avait seulement souri. À la MONUSCO, quand on n'était pas. Il n'a pas répondu. Mais comment il peut me répondre? Parce que même lui-même, il n'avait pas la maîtrise du dialogue. Alors, moi, je dis ceci. Il n'est pas interdit à un politicien de raisonner ou de prendre une direction pour sa vie ou pour la vie de son parti politique. N'est-ce pas? Si les gens qui sont avec nous ou d'autres, ils veulent rejoindre M. Kabila pour le dialogue, crois-moi, moi, je ne peux pas les empêcher. C'est impossible. Il n'est qu'à partir. Nous allons voir maintenant des actions. Ceux qui étaient partis aux concertations, nous avons vu. On les a promis 450 dollars. Après, c'était 25 dollars ou 40 dollars ou quoi qu'on a commencé à les donner. N'est-ce pas? Nous avons vu. Moi aussi, j'étais là, j'avais pris les macarons, j'avais pris l'invitation. Mais après, le matin, j'ai fait une réunion. La réunion ne m'a pas permis d'aller aux concertations. Vous avez connu, on a connu cette sa résolution. Vous avez vu qu'on n'a pas exécuté ces résolutions. Alors, les dialogues t'ont vanté, t'ont parlé, t'ont demandé. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va accoucher, oui. Mais pour ne pas m'essuyer, vous préférez comprenez-moi bien, pour ne pas m'essuyer de ce que j'avais raisonné dès les premiers jours qu'on avait prononcé les mots dialogue, moi je préfère m'atteindre à l'écart. Un frère qui m'aborde, qui produit sa réflexion, il dit, dialogue, oui, peut-être ça peut être très bien, mais il n'y a que deux possibilités selon lui. Il me dit la première possibilité, on aura la transition. Lorsqu'il y aura transition, il y aura finalement division de l'opposition, parce qu'il y aura les uns qui vont accepter mordre l'hameçon, ça veut dire être ministre ainsi de suite, parce qu'ils voudront rester pendant longtemps possible au pouvoir pendant la transition. Il y aura un groupe d'opposants qui va refuser. À ce moment-là, il y aura division de l'opposition. Deuxième possibilité, il dit il y aura blocage parce que probablement le pouvoir pourra présenter une autre constitution, encore que vous avez suivi la question du référendum évoquée par le secrétaire général du PPRD, et l'opposition va refuser qu'on parle du changement de la constitution et il y aura blocage. Il dit, en substance, les deux voies, les deux possibilités
vont constituer un blocage et ne permettra pas au pays d'avancer. Bref, pour lui, dialogue est inopportun, comme vous le dites maintenant. Donc, dans son analyse, on peut réfléchir de cette façon pour qu'on comprenne... Oui, il a bien analysé les choses. J'ai vu les gens qui étaient avec Ekongo aujourd'hui qui sont des ministres. Mais voilà comment ils se comportent. Oh, ils se disent produits de l'opposition. Mais devant les opposants, vous voyez leur comportement. Parce qu'ils travaillent avec quelqu'un qui est le fruit d'une rébellion qui gère le pays. Sa mentalité ne peut pas être conforme avec celle de ceux-là qui ont combattu Mobutu ici d'une manière démocratique. Et comparer une telle mentalité d'un démocrate et d'un rebelle, un rebelle ne change pas sa mentalité, il reste toujours des années de cette façon. Un rebelle ne change pas. Il ne peut pas changer, un rebelle ne peut jamais changer. Même si vous le transformez en démocrate, il peut porter la cravate, mais son cœur c'est rébelliotique. C'est ce que vous voyez, les mots Vasakan et les consorts. Mais tu sais que ce pouvoir sont des rebelles. Il perdit. Anciens rebelles. Tu vois, vous avez cité quoi? Les secrétaires généraux peuvent perdre. C'est le produit d'une rébellion. Pour lui, il se dit professeur, mais ses idées sont ces gens, il ne parle ni à Swahili à ce moment, ni en français, ni en anglais, il dit à Lingala. Bato Balimba Boto la bise au pouvoir. Le pouvoir que nous sommes battus. Ah! Voilà, là, c'est le mot clé qu'ils détiennent. Batoyo, Balingba Boto la bise au pouvoir. Quand les gens raisonnent de cette façon, qu'est-ce que ça peut produire dans les dialogues, le changement de la constitution, pour qu'ils puissent se maintenir? Parce qu'ils ont l'argent de l'État. C'est sauté. Ils ont caché l'argent de l'État. Ils vont finalement, vous serez corrompus facilement. Bon, les gens seront corrompus et même si les gens ne seront pas corrompus, mais ils vont s'imposer. Ils ont l'armée, la police et les services de sécurité. Ils vont s'imposer comme Sassou, comme Kourouzouza, comme Kagame. Et ouais, ils vont s'imposer. Et l'Occident est trop faible devant les matières premières. Vous avez vu, François. C'est là où ça doit vous interpeller. Mais oui, François Hollande a fait des bruits à Sassou, mais quand on lui a montré le pétrole, le bonheur, il y a des élections qui arrivent en France. Maintenant, le bonheur est là. Oui. François Hollande a fermé les yeux, il n'a pas voulu regarder Sassou, hein, même, ni le peuple du Congo. Il a fait seulement les gestes. Et c'est parti. Et quand il a ouvert les yeux, Sassou s'est déjà autoproclamé président de la République. Et c'est calme. Mais justement, c'est là où ça doit vous interpeller, parce que quand vous ne comprenez pas qu'il faut maintenant passer par le dialogue pour peut-être réfléchir, et quelle autre voie, s'il y aura bénédiction des gens comme les François Hollande, ainsi de suite, ça va changer alors quoi? Vous changerez quoi? Vous ne voyez pas que nous allons revenir à la case du départ, comme vous aviez dit, le chien aboie, la caravane est partie. Il faut toujours ramener quelqu'un à la case du départ, c'est-à-dire quoi? La Constitution a prévu, pour toute autre cause d'apaisement définitif, quand on n'a pas organisé les élections, pendant les délais, dès que mois de septembre, octobre, il n'y a pas des élections, pendant ce temps-là, la Constitution a prévu, c'est une cause d'apaisement définitif. On peut directement faire un message à la Cour constitutionnelle. Donc, qui fait son message là? C'est le gouvernement. Je dis d'une manière officielle, ça c'est le principe. Je ne m'écarte pas des principes. Si je m'écarte, c'est pour prendre une arme à la main. Mais comme je ne peux pas prendre une arme à la main, je suis toujours dans ces principes. Le gouvernement doit faire un message pour l'incompétence de ne pas organiser les élections. Maintenant, la Cour va désigner le président du Sénat. Mais comme le président du Sénat, lui aussi, il est dans la même situation, à ce moment, on peut se retrouver pour dire c'est un tel qui peut gérer et on doit le confirmer par la Cour constitutionnelle. Donc, c'est un bon départ pour le président de la République. Il sort par la grande porte parce qu'il s'est rencontré dans une cause d'apaisement définitif reconnue par la Constitution. Là, il n'y a pas à le pourchasser ou à faire ceci parce qu'il a respecté la Constitution de bout à bout. Oui, n'est-ce pas? Maintenant. Alors, si maintenant, vous allez au dialogue, le dialogue qui n'est pas constitutionnel, si vous voulez maintenant que l'autre maintenant pas avoir, je ne sais pas quelle voie, vous voulez changer la condition pour qu'il se maintienne. Non,
Là, ça devient une infraction imprescriptible. C'est-à-dire que vous avez roulé la Constitution, vous allez rouler les peuples, mais quand on roule la Constitution, vous êtes le Premier ministre, vous êtes le Président de la République, vous devez être jugé sur base de l'article 165 de la Constitution. Pourquoi quelqu'un qui a eu son argent, qui a eu son prestige, il a voyagé partout dans le monde, mais est-ce qu'il n'a pas aussi le temps d'aller se reposer, voilà. Que vous voulez aller pisser, il y a un militaire qui te surveille. Tu veux aller dormir, tu dors dans l'autre chambre, il y a un militaire avec une arme qui surveille, qu'un moustique ne te pique pas. Tu veux aller sortir, voir... Il faut la liberté. Non, il faut avoir une liberté comme nous. On se promène comme on est partout. On est partout, à pied, n'importe où. Alors, il y a d'autres fils du pays qui commencent à penser à une constitution punitive. Ça veut dire penser à des sanctions, surtout à la disposition 70, par exemple. Quand vous n'avez pas organisé les élections, voici la punition qui vous attend. Je vois ici le président national de la Ligue des serviteurs, Ntingi Pouloulou, commence maintenant à proposer une constitution comme ça, donc avec des dispositions punitives. Non. Alors, parce que vous n'avez pas organisé les élections, voici votre punition. Mais écoutez, vous avez géré le pays. Mais pourquoi c'était notre constitution? Il y a déjà une constitution, la punition est là. Les élections, c'est... sont convoqués 90 jours. C'est l'article 73 de la Constitution. Il faut simplifier parfois l'expression, parce que l'expression constitutionnelle est un peu codée. Non, attendez. Fallait la simple. Avec cet article, quand vous n'avez pas respecté l'article à convoquer les élections 90 jours, ça devient une haute trahison et tricherie. Cela est puni par l'article 165 de la Constitution. Comment on peut aller faire autre chose alors que ça existe, la matière existe. Donc, si on veut maintenant organiser les élections à la hâte pour tromper le peuple, on va voir qui est-ce qu'on va placer à la tête des mouvements qu'on appelle la majorité pour se représenter à ces élections. Comme ça, l'opposition dans son ensemble va s'organiser pour chercher comment les battre. Là, c'est constitutionnel. Mais si c'est la même personne qui veut persister, c'est là où on y aura l'application de l'article 165, parce qu'il n'a pas pu respecter l'esprit et la lettre de l'article 73. Voilà. Élection maintenant, vous avez suivi aujourd'hui la position des États-Unis contre les autorités qui gèrent le Congo aujourd'hui. Sans élection, il y aura des punitions, enfin de sanctions qui sont envisagées. Quel type de sanctions? Nous ne connaissons pas. Est-ce que ces sanctions auront des faits? Parce que nous voyons par le passé dans d'autres pays sans effet. Alors, on parle de sanctions. Est-ce que c'est bon, fort? Les sanctions sont constitutionnelles partout dans le monde. Quand un chef de l'État détourne, il doit être sanctionné. Hein? On a des avis. Les sanctions des États-Unis sur les autorités. Maintenant, les États-Unis ont la suprématie sur tous les pays du monde, en dehors peut-être de la Russie. La grande puissance. La grande puissance. Maintenant, quand cela remonte de le but de la création des Nations Unies rapidement parce que à San Francisco en 1945. C'était pour protéger les pays pauvres, les petits pays du monde contre l'hégémonie des grandes puissances. Le but est réellement de la création des Nations Unies, n'est-ce pas? Alors, les États-Unis ont les droits de veto. Ils sont dans ces lots. Et les pays comme les nôtres, ce sont des pays mal gérés. Ce sont les pays où règne la dictature. Les pays où on ne respecte pas les droits. Moins encore la Constitution qui est élaborée et promulguée par les mêmes dirigeants. À ce moment, il faut qu'il y ait une force supérieure comme les États-Unis qui dit, bon, vous n'avez pas fait ça, voici les sanctions. Un, on saisit vos comptes en banque partout dans le monde. Deux, on vous refuse le voyage. Même dans les territoires de la RDC, vous ne pouvez plus attaquer... Mais généralement, c'est temporaire, hein? C'est juste pour l'instant. Je vais vous énumérer maintenant les types de sanctions. Les types de sanctions. N'est-ce pas? Vous-même, vous n'allez plus voyager. À ce moment, l'ONU prend une résolution contraignante de punir tout un gouvernement. Il n'y aura pas de pièces de rechange envoyées à la RDC. Les conditions sociales... Les importations sont presque interdites. On laisse seulement l'ouverture pour le social de la population. Le chef de l'État sera affaibli, il va renoncer à son exercice
Il va même démissionner. Ah oui, mais on voit généralement, c'est temporaire, c'est juste pour un temps, au début. Non, c'est pour... Il va rester pendant longtemps possible, on si va lever cela est désigné pour un gouvernement et ses membres et ses chefs de l'État, ça sera contraignant. Et à la fin du compte, il va partir. Parce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre le pouvoir dans l'unique but d'effacer cela. À ce moment, il y aura levé des sanctions. N'est-ce pas? Il y aura levé des sanctions. Mais comme pendant la rébellion, si on avait fait les sanctions aussi chez nous pour, ne pas, pour l'importation des armes, mais on a levé ces sanctions. N'oubliez pas que l'Occident aussi est derrière ses intérêts. Il peut bien prendre des sanctions. J'ai répondu à ta question. Et il change aussi les comportements. J'ai répondu à ta question. Je vous ai montré ce genre de sanctions. Je vous ai donné l'exemple de l'ONU et de sa création et le but de sa création, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est une bonne chose, mais comme vous avez dit, les intérêts, là, je vous appuie parce que les mêmes sanctions peuvent être favorables pour sauver tout un peuple. Mais malheureusement, les enfants de certains grands pays du monde, ce sont ceux qui sont dans, tout autour de nos frontières, qui volent, qui achètent des matières premières détournées de sang. Alors, ces gens-là, ils plairent. Si vous ne faites pas, j'ai une société en verse, j'ai une société à tel pays, hein, il y aura des chômages. Et comme l'homme blanc a peur du chômage, on commence maintenant à lever des sanctions d'une autre façon. Mais si tout le monde est rigoureux pour sauver un pays en naufrage, on maintient les sanctions contre les gens qui s'attendent. Alors là, ils seront aussi sanctionnés. À ce moment, ils seront sanctionnés. Nous sommes là pour amplifier les sanctions avec des marches, avec des villes mortes. Non. Le pays ne sera pas gouverné et le chef de l'État qui s'attête va prier bagage pour aller se cacher dans vous sanctionnez les autorités congolaises. Les autorités congolaises vont également vous sanctionner. Vous n'allez pas comment ils vont nous sanctionner? Ils sont déjà affaiblis par des sanctions de la communauté internationale.